dire de plus de la R8? Bah, ça a été souvent une sportive raillée, moquée, pour avoir été la cousine pauvre d'une Lamborghini, de la Gallardo d'abord, et puis de la Huracan. Pour avoir été une sportive, en fait, pas assez exclusive, pas assez sauvage, née d'une marque de sportive souvireuse, d'après mes amis BMistes. Moi, ce que je lui reprocherais le plus, c'est d'avoir abandonné sa boîte mécanique au cours de sa carrière. Mais on se rend souvent compte de ce que l'on a quand on le perd. Or, c'est la fin de la R8. Et je crois qu'elle va beaucoup nous manquer. C'est vrai que les puristes ont souvent voulu sa peau. Elle est née avec 4 roues motrices, chez Quattro, GmbH, bon ça ne s'invente pas, c'était l'ancêtre d'Audi Sport. Mais elle a su devenir une vraie propulsion, comme ici avec ce baroud d'honneur, GT RWD. Elle est d'ailleurs ici dans cette version à peine plus lourde qu'à sa naissance, il y a une quinzaine de kilos de différence. Et elle a toujours eu des moteurs atmosphériques. Et ça, c'est deux points sur lesquels toutes les sportives ne peuvent pas en dire autant. Bon, ok. Ceux qui ont un peu de mémoire nous rappelleront que cette R8, elle a failli exister en diesel, dans une version V12 TDI. Mais passons sur ce petit moment d'égarement. Et puis pour une voiture critiquée, elle a un palmarès en compétition qui est quand même hallucinant. À titre d'exemple, elle a quand même gagné la course la plus difficile au monde. J'ai pas dit la plus belle, hein, parce que sinon ce serait Le Mans, mais la plus difficile. Les 24 heures du Nürburgring, elle les a gagnées 6 fois. C'est quand même le genre de sportive qui a un palmarès long comme le bras, mais qu'on peut quand même prendre pour aller au bureau le lundi matin. Ça me rappelle une autre sportive, vous savez, très célèbre, avec des phares ronds et dont les journalistes un peu pénibles comme moi vous rabâchent les oreilles à longueur de temps. Mais si vous savez... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Et là, avec cette version GT RWD, c'est vraiment le bouquet final. Parce qu'on a donc une pure propulsion avec le V10 Atmo. Au top de sa forme, il fait 620 chevaux, comme dans la version 4 motrices. On a 20 kg de moins que dans la version propulsion de base, si j'ose dire. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, alors à défaut de boîte mécanique, on a toujours la robotisée, mais à la démultiplication raccourcie, de la 3e à la 7e. Ce qui donne donc d'autant plus l'opportunité d'aller visiter le contour, enfin, les hautes sphères du contour, jusqu'à 8500 tours. Et ça, c'est l'idée du siècle. Ça profite aux accélérations, mais évidemment, c'est surtout bénéfique aux sensations. Et si tout ça, c'était pas suffisant aux yeux des ayatollahs de la sportive, cette voiture accède en option à des combinés réglables manuellement, comme sur une vraie voiture de course. On peut ajuster la compression et la détente, mais on a aussi au volant ici une petite molette qui permet maintenant de régler l'antipatinage. Donc il peut être plus ou moins permissif. Donc ça permet éventuellement d'aller explorer le frisson de la propulsion. Sans forcément se mettre sur le toit ou dans un arbre. Et ça, c'est vraiment bien. Au-delà de son aspect ludique, cette finesse de réglage de l'électronique permet surtout d'explorer sans entrave le supplément de rigueur apporté par les fameux combinés ressorts amortisseurs, tout en conservant un filet de sécurité rassurant. Or, jamais une R8 de route ne s'est montrée aussi précise que celle-ci, au point de franchement rappeler sa glorieuse sœur de course. Malheureusement, cette GT RWD, elle signe la fin de la carrière de la R8. Enfin, la R8 telle qu'on l'a connue, nous, les mecs un peu vieux ou plus très jeunes. Et on est donc tenté de croire que, que c'est la fin aussi de la sportive authentique, la sportive sensationnelle. Et donc qu'elle appartiendrait comme mes cheveux, quoi, définitivement au passé. Et je dois dire, c'est un peu démoralisant. Et voilà, c'était l'essai de la 911 ST. Non mais je suis sérieux, hein. J'ai même pas fait 20 mètres, j'ai pas dépassé 20 km/h, je suis même pas sorti du parking en fait. Avec cette voiture, vous en prenez mais plein le système nerveux. Pour commencer, il y a la commande de boîte avec ses débattements raccourcis là. C'est peut-être pas la meilleure au monde parce que pour moi, il y a la Civic Type-R qui est un peu encore au-dessus du lot, mais sinon, sa combinaison avec la commande d'embrayage là, c'est juste un pur bonheur, c'est déjà tout un programme. Il y a la sonorité ambiante, l'ambiance sonore.
le bruit du moteur, enfin le bruit du moteur, il y a tout. Il y a les bruits d'admission, d'échappement, du moteur lui-même, de l'embrayage. Donc là, je suis embrayé par exemple, je débraye. Je ne sais pas si vous entendez la différence, mais on entend tous les détails. C'est un truc de fou. Et là, même en 25 mètres, on sent que l'amortissement, même s'il y a les mêmes éléments que ceux d'une GT3 Touring, avec les mêmes amortisseurs, on sent déjà que le calibrage n'est pas le même. On retrouve un peu de la délicatesse de la 991 et que la 92 avait un peu perdu dans la GT3. C'est un truc de ouf. Bon, allez, ce serait dommage de s'arrêter là quand même. En fait, ce qui frappe, mais en quelques mètres au volant de la ST, c'est l'instantanéité, sa spontanéité. Je suis désolé pour les rimes en « et », mais c'est vraiment ça, en fait. C'est le prolongement de soi, en fait, cette voiture, tant elle réagit au moindre de vos gestes, surtout du pied droit. Parce qu'on a donc le moteur de la GT3 RS, le fameux 4 litres, ici de 525 chevaux, avec une distribution spécifique un peu plus agressive que dans la GT3 normale. Il a toujours ses 6 papillons individuels, donc les 6 papillons, ça permet d'amener la pression atmosphérique au plus près des cylindres, donc de rendre le moteur le plus réactif possible. Et puis surtout, au-delà de ça, la voiture est allégée, elle fait un peu moins de 1400 kg sans personne à bord, mais surtout l'allègement, il a été concentré, on va dire, entre le vilebrequin et les pneus. À commencer par embrayage et volant moteur, s'ils font autant de bruit, c'est parce qu'ils ont été allégés, ils font à peu près la moitié du poids qu'ils font sur le moteur de la GT3 Touring. Les jantes sont aussi allégées. Il y a les freins carbone céramique, donc forcément, ça fait encore moins d'inertie. En tout cas, j'ai jamais conduit une voiture avec aussi peu d'inertie mécanique. Je vais essayer de vous faire juste écouter la réactivité du moteur, mais voilà, je suis en 3. Et je suis même pas à mi-course de l'accélérateur. Je pense que je dois être un tiers à peu près. C'est l'électrique, mais avec les sensations mécaniques en plus. Ou je dirais autrement, la ST, c'est rouler en ancienne, mais les performances en plus, la sécurité en plus, et les pannes en moins. Petit détail qui a son importance, ils ont raccourci le rapport final de la transmission de 8% à peu près par rapport à la GT3 Touring. Alors, c'est pas le jour et la nuit, mais ça permet quand même de tirer les 9000 tours à peu près 3 fois avant de finir définitivement en prison. 3. Voilà. Oh là là. Ce qu'il y a d'aussi spectaculaire que les montées en régime jusqu'à 7, 8, 9 000 tours, il y a les descentes en régime. Parce qu'en fait, à chaque passage de rapport, entre deux rapports, j'ai presque l'impression que je vais caler. L'aiguille chute tellement vite que j'ai l'impression qu'elle va tomber du contour. J'ai jamais vu ça. Faut même un peu s'appliquer pour les talons pointes. Il y a toujours moyen de les automatiser ici, mais c'est nettement plus gratifiant de les faire soi-même. Même si ici, il faut bien les travailler parce que rattraper le régime du moteur, ça s'improvise vraiment pas. Dans ce côté instinctif, il y a le fait qu'il n'y ait pas de mode de conduite sur le volant. J'ai quoi ? J'ai le volume de la radio, l'ordinateur de bord et basta. Il n'y a même pas la petite molette en bas à droite. On tourne la clé. C'est le mode de conduite par défaut, il n'y a rien d'autre. Il y a l'échappement sport à la rigueur, vous pouvez activer via l'écran, mais c'est tout. Il n'y a plus de roue arrière directrice non plus, pour gagner un peu de poids. Du fait qu'il n'y ait plus d'essieux arrière directeur, ils ont un peu calmé l'avant. Donc la voiture reste suffisamment stable, mais je trouve qu'elle y gagne en naturel. La 911 ST est la plus légère des 992, elle fait moins de 1400 kg sans personne à bord. Et je vous donne quelques petits tips pour la distinguer d'une GT3 Touring. On trouve notamment ses ailes en carbone échancrées ici, avec dans la continuité cette porte nervurée de GT3 RS. On reconnaît ici cette bonne vieille poignée facile à attraper. Mais à mes yeux, le détail qui tue, il est ici, c'est ce petit gurnet là, sur l'aileron arrière. Cette petite lame-là génère suffisamment d'appui aérodynamique pour que Porsche ait pu retarder le déploiement de l'aileron de 80 à 120 km/h, contrairement au restant de la gamme. Donc non seulement la ST est la plus pure des 911 mécaniquement,
mais elle l'est aussi esthétiquement, ou en tout cas jusqu'à des vitesses plus élevées. Alors, est-ce que 310 000 euros avant option, c'est trop cher pour une 911 ? Non. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, cette époque toujours plus aseptisée, toujours plus normée, ben non, il n'y a rien d'autre que cette 911 ST en termes de sensations. Il n'y a rien de comparable. Je n'ai pas conduit de Pagani, de Gordon Murray ou même de McLaren F1 si on a le droit d'inclure les anciennes. Mais là, on est carrément dans d'autres sphères au niveau. Donc, non, c'est pas forcément très cher. Et puis, quand on sait à notre époque que le moindre SUV compact plus ou moins électrifié, il faut déjà donner un billet de 50 000 pour se l'offrir, bah je trouve que 310 000 euros pour un tel monument, c'est pas totalement déraisonnable. Et à la fois, oui, c'est beaucoup trop cher. C'est trop cher parce que toutes les 911 devraient ressembler un peu à ça. Elles devraient toutes avoir moins d'assistance, moins d'écran, moins de mode de conduite, moins de turbo, et toutes être plus sensationnelles, plus vivantes, plus excitantes. Et celle-ci est doublement inatteignable par le prix, donc, et surtout, elle est limitée à 1963 exemplaires. Donc, je trouve ça dommage de ne pas faire connaître ce genre de sensation au plus grand nombre. Voilà. Dans un monde de mauvaises nouvelles, il y a finalement toujours une bonne nouvelle. Alors, si certaines marques jettent l'éponge comme Audi pour des raisons politiques ou économiques, il y en a d'autres comme Porsche qui s'obstinent à développer des produits à contre-courant de notre époque. Et ça, ça nous fait énormément plaisir. Passionnés, nous ne baisserons pas les bras. Nous passerons.